Première station. Jésus est condamné à mort. Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Jésus, témoin de la vérité, condamné à la mort sur la croix, Kyrie eleison. Lorsque le Christ s'est présenté aux yeux de la foule, au centre du prétoire romain, Pilate l'a montré du doigt en disant « Voici l'homme ». Et la foule a répondu « Crucifie-le ». La foule de Jérusalem a prononcé la sentence de mort contre toute la vérité sur l'homme qui nous a été révélée par le Christ, Fils de Dieu. La vérité sur l'origine de l'homme et sur le but de son pèlerinage sur la terre a donc été rejeté. La vérité sur sa dignité et sa plus haute vocation a été rejetée. La vérité sur l'amour qui ennoblit et unit tant les hommes et sur la miséricorde qui relève même des plus grandes chutes a été rejetée. Voici l'homme. En lui est toute la vérité sur le Fils de l'homme, annoncé par les prophètes, la vérité sur le serviteur de Yahvé, prédit par Isaïe. Il a été transpercé à cause de nos péchés, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Il porte sur lui la stupéfiante conséquence de ce que l'homme a fait de son Dieu. Pilate avait dit « Voici l'homme ». Regardez ce que vous avez fait de cet homme. Dans cette exclamation, une autre voix semble vouloir s'élever. Regardez ce que vous avez fait de votre Dieu. Pilate n'a-t-il pas eu raison lorsque, en le présentant au peuple qui attendait sa condamnation, devant le prétoire, pour ne pas se souiller et pour pouvoir manger la Pâque, de dire non pas « Voici le roi, mais voici l'homme. » Il révélait ainsi le programme de son règne qui veut être libéré des attributs du pouvoir terrestre pour révéler les pensées de nombreux cœurs et pour les rapprocher de la vérité
et de l'amour qui viennent de Dieu. Pilate savait que Jésus, dit le Christ, ne cherchait pas la royauté ici-bas, sur la terre de Palestine. Jésus était venu manifester la royauté de l'homme, et voici qu'il fait face à l'humanité, couronnée d'épines. Ma royauté n'est pas de ce monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Aujourd'hui encore, nous sommes avides de ce témoignage, et chaque fois que nous semblons redire à ce condamné, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans les paroles de la Passion du Christ, il y a une rencontre particulièrement intense de l'humain avec le divin. C'est pourquoi ces paroles de la Passion du Christ, si profondément humaines, resteront pour toujours une révélation de la divinité qui, dans le Christ, s'est alliée à l'humanité dans la plénitude de l'unité personnelle. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous, ainsi qu'à tous les hommes de notre temps, la grâce d'être fidèles à la vérité. Ne permets pas que le poids de la responsabilité de la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront après nous. À toi, Jésus, juste juge, l'honneur et la gloire pour les siècles. Abba. Station. Jésus est chargé de sa croix. Que dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Fils de l'homme, témoin de l'amour du Père, Kyrie eleison. Elle est venue l'heure de la croix. Son heure était venue de passer de ce monde au Père. L'heure de la déchirante souffrance du Fils de Dieu, une souffrance qui, à 20 siècles de distance, continue de nous émouvoir profondément et de nous interpeller. Le Fils de Dieu est arrivé jusqu'à cette heure-ci, justement pour offrir sa vie pour ses frères. C'est l'heure du don, l'heure de la révélation de l'amour infini. Jésus, condamné à mort, doit être chargé de la croix. Il a été compté parmi les pécheurs. Le Christ s'approche de la croix, le corps lacéré et meurtri, le visage ensanglanté sous la couronne d'épines. La croix, instrument de mort infamante. Il n'était pas licite de condamner à la mort de la croix un citoyen romain. C'était trop humiliant. Le moment où Jésus de Nazareth s'est chargé de la croix pour la porter sur le calvaire marque un tournant dans l'histoire de la croix. Signe d'une mort infamante, réservée à la catégorie la plus basse des hommes, la croix devient une clé. Désormais, avec l'aide de cette clé, l'homme ouvrira la porte des profondeurs du mystère de Dieu. Par le geste du Christ qui accepte la croix, instrument de son dépouillement, les hommes sauront que Dieu est amour, amour sans limite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Cette vérité sur Dieu s'est révélée par la croix. Ne pouvait-elle pas se révéler d'une autre façon? Peut-être que oui. Toutefois, Dieu a choisi la croix. Le Père a choisi la croix pour son Fils, et le Fils l'a prise sur ses épaules.
Il l'a portée sur le calvaire et sur elle, il a offert sa vie. Sur la croix, il y a la souffrance. Sur la croix, il y a le salut. Sur la croix, il y a une leçon d'amour. Ô Dieu, celui qui, une fois t'a compris, ne désire rien d'autre. La croix est signe d'un amour sans limite. Il ne nous est pas possible de rester indifférents devant le sacrifice du Christ. Dans l'esprit de qui s'arrête pour contempler la passion du Seigneur, surgissent spontanément des sentiments de profonde gratitude. Depuis toujours, la piété chrétienne s'est arrêtée sur chaque moment de la passion, comprenant que là se trouve le point culminant de la révélation de l'amour et que là aussi se trouve la source de son salut. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de l'amour sauveur de Dieu pour l'homme, accorde-nous, ainsi qu'à tous les hommes de notre temps, la grâce de la foi en cet amour infini. À toi, Jésus, la louange et la gloire pour les siècles. Abba. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Jésus, notre compagnon au temps de la détresse, solidaire de la faiblesse humaine. Kyrie eleison. Jésus tombe sous le poids de la croix. Il tombe à terre. Il ne recourt pas à ses forces surhumaines. Il ne recourt pas à la puissance des anges. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Ils peuvent éprouver un douloureux émerveillement, ceux qui avaient vu son pouvoir sur les faiblesses humaines, sur les mutilations, sur les maladies, sur les infirmités, et même sur la mort. Et maintenant, va-t-il y renoncer? Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même, criera la foule. Quant à lui, il accepte toutes ces invectives qui semblent anéantir le sens de sa mission, de ses discours, de ses miracles. Il veut chanceler, il veut tomber sous le poids de la croix, il est fidèle jusqu'au bout, jusque dans les moindres détails, à la parole de l'Écriture. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus tombe sous la croix. Cela arrivera par trois fois, sur le chemin relativement bref de la Via Dolorosa. Il tombe d'épuisement, le corps ensanglanté par la flagellation, la tête couronnée d'épines. Tout cela fait que les forces lui manquent. Il tombe et la croix de tout son poids l'écrase contre terre. Il faut revenir aux paroles du prophète qui, des siècles auparavant, entrevoit cette chute. C'est comme s'il la contemplait de ses propres yeux. Devant le serviteur à terre, il montre la vraie cause de sa chute. Dieu a pris sur lui nos péchés à tous. Pour rendre à l'homme le visage de son Père, Jésus a dû non seulement assumer le visage de l'homme, mais se charger aussi du visage du péché. Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché,
afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la sainteté de Dieu. Nous ne cesserons jamais d'explorer la profondeur abyssale de ce mystère. Tout le poids des vicissitudes et des souffrances de l'humanité est condensé dans le mystère d'un Dieu qui, assumant notre nature humaine, s'est anéanti jusqu'à se faire péché pour nous. Sur le Golgotha, il s'est chargé des fautes de tous les hommes. Ce sont les péchés qui ont écrasé contre terre le divin condamné. Ce sont eux qui ont déterminé le poids de la croix qu'il portait sur ses épaules. Ce sont les péchés qui ont provoqué sa chute. Jésus, victime innocente du péché, accueille-nous comme tes compagnons sur la route pascale qui conduit de la mort à la vie et enseigne-nous à vivre le temps que nous passons sur la terre, enracinés dans la foi en toi, toi qui nous as aimés et qui t'es livré toi-même pour nous, toi qui es le Christ, l'unique Seigneur, et qui vit et règne pour les siècles. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Sois sans crainte, Marie. Il sera grand. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas de fin. Sainte Marie, courageuse lors de la montée au calvaire, avec toi, nous supplions ton Fils Jésus. Kyrie eleison. Il sera grand. Son règne n'aura pas de fin. Marie se remémorait ces paroles. Elle y revenait souvent dans le secret de son cœur. Quand, sur le chemin de la croix, elle rencontra son fils, peut-être justement ces paroles lui revinrent-elles à l'esprit avec une force particulière. Maintenant, alors qu'elle voit son fils condamné à mort, porter la croix sur laquelle il devra mourir. Elle pourrait se demander humainement parlant, comment donc ces paroles peuvent-elles se réaliser? Cependant, Marie se souvient qu'alors, après avoir entendu l'annonce de l'ange, elle avait répondu, « Voici la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Maintenant, elle voit que cette parole se réalise comme parole de la croix. Parce qu'elle est mère, Marie souffre profondément. Toutefois, maintenant aussi, elle répond comme elle avait répondu alors à l'Annonciation, « Que tout se fasse pour moi, selon ta parole. » De cette façon, elle prend maternellement dans ses bras la croix avec le divin condamné. Sur le chemin de la croix, Marie se manifeste comme mère du Rédempteur du monde. Sa croix à lui devient sa croix à elle. L'humiliation du Christ devient celle de sa mère. Son opprobre public devient aussi le sien. Tel est l'ordre humain des choses. C'est ce que doivent ressentir ceux qui entourent Marie, et c'est ce que ressent son cœur. Témoin de la passion de son Fils par sa présence, y participant par sa compassion, Marie la Très Sainte a apporté une contribution singulière à l'évangile de la souffrance et elle a réalisé avant l'heure ce qu'affirmait saint Paul. Oui, vraiment, elle peut affirmer qu'elle complète en sa chair, comme elle l'a déjà fait dans son cœur, ce qui manque à la passion du Christ. Ô toi qui as compati avec lui, répètent les fidèles
conscients au plus profond de leur cœur qu'il convient d'exprimer ainsi le mystère de cette souffrance, bien que ce soit sa souffrance propre qu'il atteint dans la profondeur même de sa maternité. Cependant, la pleine vérité de cette souffrance est exprimée par le mot « compassion ». Elle appartient au mystère même. Elle exprime en quelque sorte son union avec la souffrance de son Fils. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchirée de douleur dans ton cœur de mère, mais te souvenant toujours de ton fiat et intimement convaincu que celui à qui rien n'est impossible saurait réaliser ses promesses, implore pour nous et pour les hommes des générations futures la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu. À Jésus ton Fils, honneur et gloire pour les siècles. Abba. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et le requirent pour porter sa croix. Christ, toi qui considères comme fait à toi-même tout geste d'amour envers ceux qui souffrent, Kyrie eleison. Comment contempler le Christ chargé de la croix et crucifié, sans ressentir le besoin de se faire le cyrénéen, de tout être brisé par la souffrance ou écrasé par le désespoir. Les soldats romains réquisitionnèrent Simon. Ils firent ainsi, craignant que le condamné épuisé ne parvienne pas à porter la croix jusqu'au calvaire. Il n'aurait pas pu exécuter la sentence de crucifixion portée sur lui. Porter avec un condamné sa croix pouvait être considéré comme une offense à la dignité d'un homme libre, bien qu'à contre-cœur, Simon prit la croix pour aider Jésus. Il marchait à côté du Christ, ployant sous le même fardeau. Il était tout près de lui, plus près que Marie, plus près que Jean, qui n'a pas été appelé à l'aider. On l'a appelé lui, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, comme le note l'évangile de Marc. Ils l'ont appelé, ils l'ont forcé. Combien de temps a duré cette contrainte? Combien de temps a-t-il marché à côté de lui, faisant valoir par son attitude qu'il n'avait rien de commun avec le condamné, ni avec sa faute, ni avec sa peine? Combien de temps a-t-il marché ainsi, intérieurement divisé, avec une barrière d'indifférence vis-à-vis de l'homme qui souffrait? On ne sait pas. Saint Marc donne seulement le nom des fils du Cyrénéen, et la tradition chrétienne rapporte qu'ils appartenaient à la communauté des chrétiens. Si les fils de Simon de Cyrène étaient connus de la première communauté chrétienne, on peut penser que lui aussi, précisément tandis qu'il portait la croix, a cru au Christ. Il passa librement de la contrainte à la disponibilité, comme s'il avait été intimement touché par ses paroles. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors qu'il portait la croix, il fut introduit à la connaissance de l'évangile de la croix. Dans un chant de carême résonnent ces paroles. Sous le poids de la croix, Jésus accueille le Cyrénéen. Ce sont des paroles qui laissent entrevoir un changement total de perspective. Le divin condamné apparaît comme quelqu'un qui,
en un sens, fait don de la croix. Simon reçoit un don, il en est devenu digne. Ce qui, aux yeux de la foule, pouvait offenser sa dignité, lui a, au contraire, conféré une nouvelle dignité dans la perspective de la rédemption. Ô Christ, qui a conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, accueille-nous aussi sous son poids. Accueille tous les hommes et donne à chacun la grâce de la disponibilité. Que nous ne détournions pas notre regard de ceux qui sont accablés par la croix de la maladie, de la solitude, de la faim, de l'injustice, et qu'en portant les fardeaux les uns des autres, nous devenions témoins de l'évangile de la croix, des témoins véritablement crédibles de toi, qui vis et règne pour les siècles. Abba. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous l'avons vu sans éclat ni beauté, comme ceux devant qui on se voile la face. Ô sainte face, imprimée comme un sceau sur tout geste d'amour, Kyrie eleison. Véronique ne figure pas dans les évangiles. Ce nom n'y est pas mentionné. Il se peut donc que le nom exprime plutôt ce que fit cette femme. En effet, selon la tradition, sur le chemin du calvaire, une femme se fraya un chemin parmi les soldats qui escortaient Jésus, et avec un voile, elle essuya la sueur et le sang du visage du Seigneur. Ce visage resta imprimé sur le voile, reflet fidèle, icône véritable. C'est à cela qu'on lirait le nom même de Véronique. S'il en est ainsi, ce nom, qui rend mémorable le geste accompli par cette femme, renferme en même temps la plus profonde vérité sur elle. Peut-être complète-t-elle l'histoire du Cyrénéen. Étant une femme, il est certain qu'elle n'ait pas physiquement porté la croix, et qu'elle n'ait pas été contrainte de le faire, mais elle a sans aucun doute porté la croix avec Jésus. Elle l'a portée comme elle a pu le faire à cet instant, comme le lui dictait son cœur, et elle a essuyé sa face. Ce détail, rapporté par la tradition, semble facile à expliquer. Sur l'étoffe dont elle s'est servie pour essuyer le visage du Christ, ses traits ont laissé une empreinte, parce qu'il était tellement couvert de sang et de sueur, il pouvait laisser ses traces et ses contours. Mais le sens de ce détail peut être interprété autrement si l'on le considère à la lumière du discours du Christ sur le dernier jugement. Nombreux sont, sans aucun doute, ceux qui demanderont « Seigneur, quand est-ce que nous l'avons fait ?» Et Jésus répondra « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est moi que vous l'avez fait. » Le Sauveur imprime en effet sa ressemblance sur tout acte de charité, comme sur le voile de Véronique. Les gestes d'amour ne passent pas. Tout geste de bonté, de compréhension, de service laisse dans le cœur de l'homme un signe indélébile qui le rend toujours plus semblable à celui qui se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Ainsi se forme l'identité de l'homme, son vrai nom. Le Rédempteur du monde donne à Véronique une image authentique de son visage,
Le voile sur lequel reste imprimé le visage du Christ devient un message pour nous. Il dit en un sens, voilà comment toute action bonne, tout geste de véritable amour envers le prochain renforce en celui qui l'accomplit la ressemblance avec le Rédempteur du monde. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté le geste désintéressé d'amour d'une femme et qui, en retour, a fait en sorte que les générations s'en souviennent avec le nom de ton visage, fais que nos actions et celles de tous ceux qui viendront après nous nous rendent semblables à toi et laissent au monde le reflet de ta gloire infinie. À toi, Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles. Abba. Septième station. Jésus tombe une deuxième fois. Je n'ai personne pour m'aider. Tu me mènes à la poussière de la mort. Jésus, serviteur de la vie, écrasé par les hommes, élevé par Dieu. Kyrie eleison. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Ces paroles du psaume viennent à l'esprit tandis que nous regardons Jésus qui, pour la deuxième fois, tombe sous la croix. Ce psaume prophétique trouve sa pleine réalisation dans les ruelles étroites et escarpées de Jérusalem au cours des dernières heures avant la Pâque. Et nous savons que ces heures qui précèdent la fête sont fiévreuses, que les ruelles sont bondées. C'est dans ce contexte que s'accomplissent les paroles du psalmiste, même si personne n'y pense. Ils ne s'en rendent pas compte, ceux qui montrent leur mépris, ceux pour lesquels il est devenu la risée, ce Jésus de Nazareth, tombé pour la deuxième fois sous le poids de la croix. Je suis un ver, pas un homme. Donc pas même lecce homo, mais encore moins, encore pire, le ver rampe, collé à la terre. L'homme, au contraire, comme roi de la création, marche debout sur la terre. Voici que, dans la poussière de la terre, gît le condamné, écrasé sous le poids de la croix. Ses forces l'abandonnent toujours davantage. Mais à grand-peine, il se relève pour continuer son chemin. Que signifie pour nous, homme pécheur, cette deuxième chute. Plus encore que la première, elle semble nous exhorter à nous relever une nouvelle fois sur notre chemin de croix. Jésus tombe et se relève. C'est ainsi que le Rédempteur du monde s'adresse, sans prononcer un mot, à tous ceux qui tombent. Il les exhorte à se relever. Depuis 20 siècles, le Christ qui se relève de la chute rencontre l'homme qui tombe. Beaucoup en ont fait l'expérience. Tomber ne signifie pas la fin du chemin. En rencontrant le Sauveur, ils se sont sentis rassurés par lui. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ils se sont relevés, réconfortés. Et ils ont transmis au monde la parole de l'espérance qui jaillit de la croix. Dieu est infiniment grand dans l'amour. Cet amour est capable de se pencher sur chaque enfant prodigue, sur chaque misère humaine, sur le péché. Lorsqu'il en est ainsi, celui qui est l'objet de la miséricorde ne se sent pas humilié, mais comme retrouvé et valorisé. Des chutes du Christ sous le poids de la croix,
Dieu tirera le salut de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, toi qui tombes sous le poids du péché de l'homme et qui te relèves pour le prendre sur toi et l'effacer, donne-nous, à nous hommes faibles, la force de porter la croix de chaque jour et de nous relever de nos chutes pour transmettre aux générations qui viendront l'évangile de ta puissance de salut. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles. Abba. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Seigneur Jésus, compatissant, ta présence sèche les larmes au temps de l'épreuve. Kyrie eleison. Jésus dit aux femmes de Jérusalem, qui pleurent en le voyant, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voilà l'appel au repentir, au véritable repentir, au regret qui voit dans toute sa vérité le mal commis. On ne peut rester à la surface du mal, il faut aller à ses racines, aux causes, à la vérité de la conscience dans sa profondeur. C'est précisément ce que nous dit Jésus en portant sa croix, lui qui, depuis toujours, connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Et qui le connaît toujours. C'est pourquoi il doit rester à jamais le témoin le plus proche de nos actes et des jugements que nous formulons sur ces actes dans notre conscience. Ne pleurez pas, dit-il, mais en même temps, en lien avec tout ce que contient cette vérité, il nous en avertit parce que c'est lui qui porte la croix. La croix est vraiment la balance qui fait pencher l'histoire. On ne la comprend et on ne l'accepte qu'en méditant et en aimant le crucifié. Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. À ce moment-là, il était certainement difficile de comprendre le sens de ces paroles. Elles contenaient une prophétie qui devait se vérifier rapidement. Peu avant, Jésus avait pleuré sur Jérusalem, annonçant l'horrible sort qui la frapperait. Maintenant, il semble se référer à cette prédiction. Pleurez sur vos enfants. Pleurez parce qu'ils seront, eux précisément, témoins et participants de la destruction de Jérusalem, de cette Jérusalem qui n'a pas reconnu le moment où Dieu l'a visitée. Si, tandis que nous suivons Jésus sur le chemin de la croix, s'éveille en nos cœurs la compassion pour sa souffrance, nous ne pouvons pas oublier cet avertissement. Si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Pour notre génération, plutôt que de pleurer sur le Christ martyrisé, c'est l'heure de reconnaître le temps où elle est visitée. Déjà resplendit l'aurore de la résurrection. C'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. La croix du Seigneur nous rappelle que toute vie est habitée par la lumière pascale, qu'aucune situation n'est totalement perdue, car le Christ a vaincu la mort et nous ouvre le chemin de la vraie vie. L'esprit répandu par le crucifié sur le monde restitue à l'arbre sec de l'humanité les riches feuillages du paradis terrestre. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour visiter tous ceux qui attendent le salut, fais que notre génération reconnaisse le temps où elle est visitée,
et qu'elle ait part aux fruits de ta rédemption. Ne permets pas qu'il faille pleurer sur nous et sur les hommes du nouveau siècle, parce que nous avons repoussé la main du Père miséricordieux. À toi, Jésus, né de la Vierge, fille de Sion, honneur et gloire pour les siècles. Abba. Station. Jésus tombe pour la troisième fois. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Jésus-Christ, toi qui as connu l'humiliation sur notre terre pour transformer les gémissements en chants de louange, Kyrie eleison. Voilà de nouveau le Christ tombé à terre sous le poids de la croix. La foule, curieuse, regarde s'il aura encore la force de se relever. Saint Paul écrit, lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Chaque station sur ce chemin est une borne millière de cette obéissance et de cet anéantissement. Nous nous rendons compte de la mesure de cet anéantissement lorsque nous voyons Jésus tomber de nouveau pour la troisième fois sous le poids de la croix. Nous en prenons conscience quand nous voyons qui est celui qui tombe, celui qui gît dans la poussière du chemin, sous le poids de la croix, au pied des gens hostiles, qui ne lui ménagent aucune humiliation ni aucun affront. Qui est celui qui tombe? Qui est Jésus-Christ? Lui qui était dans la condition de Dieu, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Voilà précisément ce que semble exprimer la troisième chute, le dépouillement, la kénose du Fils de Dieu, l'humiliation sous la croix. Jésus avait dit à ses disciples qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Au Cénacle, en s'abaissant jusqu'à terre, et en leur lavant les pieds, il avait d'une certaine manière voulu les habituer à cette humiliation de sa personne. En tombant à terre pour la troisième fois sur le chemin de la croix, il nous crie à pleine voix son mystère. Écoutons sa voix, ce condamné qui succombe sous le poids de la croix, tout près du lieu de son supplice, nous dit « Moi, je suis le chemin ». La vérité est la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ne soyons pas troublés à la vue d'un condamné qui tombe à terre, épuisé sous la croix. Cette manifestation extérieure de la mort qui s'approche cache la lumière de la vie. L'histoire dramatique de Jésus est vraiment bouleversante pour redonner à l'homme la vie en plénitude. Le Fils de Dieu s'est anéanti de la manière la plus humiliante. C'est un témoignage d'amour extraordinaire, fruit d'une obéissance sans égale, qui est allé jusqu'à l'extrême don de soi. Seigneur Jésus, toi qui as révélé au monde le prix de sa rédemption par ton humiliation sous la croix, donne aux hommes d'aujourd'hui la lumière de la foi, qu'ils reconnaissent en toi le serviteur souffrant de Dieu et de l'homme,
qu'ils aient le courage de suivre le même chemin qui, par la croix et le dépouillement, conduit à la vie éternelle. À toi, Jésus, soutien de notre faiblesse, honneur et gloire pour les siècles. Abba. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Jésus, corps très saint, toi qui es encore profané dans tes membres vivants, Kyrie eleison. Alors qu'au Golgotha, Jésus est dépouillé de ses vêtements, nos pensées reviennent vers sa mère, vers les origines même de ce corps qui, sur le point d'être crucifié, n'est plus qu'une grande plaie. Dans ce mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu prend corps dans le sein de la Vierge Marie. Ce corps dépouillé accomplit la volonté du Fils et celle du Père par chaque blessure, par chaque contraction de douleur, par chaque muscle déchiré, par chaque goutte de sang qui coule, par l'épuisement des bras, par les meurtrissures du cou et des épaules, par l'atroce élancement dans les tempes. Sa souffrance a des dimensions humaines. Elle a aussi, à un degré unique dans l'histoire de l'humanité, une profondeur et une intensité qui, bien qu'humaines, peuvent être également une profondeur et une intensité incomparables de souffrance, du fait que l'homme qui souffre est en personne le Fils unique. On sait pourtant que ce corps est un gage, que le corps entier est un grand gage, c'est-à-dire les mains, les pieds et chaque os. Ce corps accomplit la volonté du Père alors qu'il est dépouillé de ses vêtements et traité comme un objet de supplice, alors qu'il cache en lui l'immense douleur de l'humanité profanée. Lui, l'Emmanuel, le Dieu avec nous, a été crucifié dans les camps de concentration et les goulags. Il a connu la souffrance dans les bombardements, dans les tranchées. Il a souffert partout où l'homme, où chaque être humain, a été humilié, opprimé et violé dans sa dignité inaliénable. Le Christ a subi la passion dans les innombrables victimes innocentes des guerres et des conflits. Il doit monter sur la croix pour offrir le sacrifice de la nouvelle alliance. Il est prêtre, il doit entrer par son propre sang dans les demeures éternelles, après avoir accompli la rédemption du monde. Il faut comprendre profondément le sacrifice du Christ. Il faut s'unir à lui. Oh, si les hommes se laissaient attendrir par ces traits incomparables, sur ce saint visage, ils peuvent trouver une réponse appropriée aux nombreuses interrogations et aux nombreux doutes qui agitent le cœur humain. De la contemplation du visage plein d'amour du Fils de Dieu fait homme, il est possible de puiser la force pour dépasser les heures de la tristesse et des pleurs. Seigneur Jésus, toi qui avec un entier dévouement a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver, fais que nous ayons part, ainsi que tous les hommes du monde, à ton sacrifice sur la croix, afin que notre existence, comme nos actions,
exprime notre participation libre et consciente à ton œuvre de salut. À toi, Jésus, prêtre et victime, honneur et gloire pour les siècles. Abba. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Christ, crucifié par la haine, devenu par amour signe de réconciliation et de paix, Kyrie eleison. L'exécution commence. Avec lui, on crucifie deux vrais malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. La prophétie s'accomplit. Il a été compté parmi les pécheurs. Quand les bourreaux dresseront la croix, alors commencera une agonie qui durera 3 heures. Il faut que s'accomplisse aussi cette parole. Moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà la phrase qui exprime pleinement la réalité de la crucifixion. En fait partie cette atroce tension du corps que l'on a cloué comme un objet sur les montants de la croix pour l'anéantir jusqu'au bout dans les convulsions de la mort. Et le monde entier entre dans cette réalité même de la crucifixion, le monde que Jésus veut attirer à lui. Le monde a en lui le poids de ce corps inerte qui pèse vers le bas. La souffrance du crucifié résulte précisément de ce poids. Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Qu'est-ce qui attire chez ce condamné en agonie sur la croix? Il est certain que l'image d'une souffrance aussi intense éveille la compassion. Mais la compassion ne suffit pas pour inciter à lier sa propre vie à celui qui est cloué sur la croix. Comment expliquer que, de génération en génération, cette terrible vision ait pu attirer des foules innombrables de personnes qui ont fait de la croix la caractéristique de leur foi? Des hommes et des femmes qui, au cours des siècles, ont vécu et ont donné leur vie en regardant ce signe. Du haut de la croix, le Christ attire par la puissance de l'amour divin qui ne s'est pas soustrait au don total de soi, de l'amour infini qui a élevé de terre sur l'arbre de la croix le poids du corps du Christ pour compenser le poids de l'antique faute, de l'amour sans limite qui a comblé tout le manque d'amour et a permis à l'homme de se réfugier à nouveau dans les bras du Père miséricordieux. Que le Christ élevé sur la croix nous attire, hommes et femmes de ce temps. À l'ombre de la croix, vivons dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Frères et sœurs, levons les yeux vers la croix du Christ pour y découvrir la source de notre espérance. En elle, nous trouvons un chemin authentique de vie et de bonheur. Contemplons le visage aimant de Dieu qui nous offre son Fils pour faire de nous tous un seul cœur et une seule âme. Christ élevé, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption et que, attirés par tes blessures,
nous vivions et mourions avec toi, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Abba. Deuxième station. Jésus meurt sur la croix. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Fils du Père, souviens-toi de nous et renouvelle par ton esprit la face de la terre. Kyrie eleison. Jésus, cloué à la croix, immobilisé dans cette terrible position, invoque le Père. Toutes ces invocations témoignent qu'il est un avec lui. Le Père et moi, nous sommes un. Qui m'a vu, a vu le Père. L'action la plus haute, la plus sublime du Fils uni au Père s'exprime par le corps tendu le long du montant vertical de la croix et par les bras étendus sur le montant transversal. L'homme qui regarde ses bras peut imaginer l'effort déployé pour embrasser l'homme et le monde. Ils embrassent. Entre ses bras étendus sur le montant transversal de la croix, le mystère de la rédemption. Au moment où ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'alliance du Père, Jésus lance un dernier cri à son Père pour qu'il pardonne les péchés de l'humanité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a détruit le péché par la puissance de son amour pour son Père et pour le genre humain. Il a pris sur lui toutes les blessures infligées à l'humanité par le péché. Ses dernières paroles furent le cri du Fils fidèle. Père, en tes mains, je remets mon esprit. À cet instant, il rendait à son Père toute la création et aussi l'humanité entière, afin qu'il la reçoive de nouveau avec un amour de compassion. Crions donc et prions avec le Christ, comme pour faire écho à ses paroles. Père, accueille-nous tous dans la croix du Christ. Accueille l'Église et l'humanité. Accueille ceux qui acceptent la croix, ceux qui ne la comprennent pas et ceux qui l'évitent, ceux qui ne l'acceptent pas et la combattent. Accueille chacun de nous dans la croix du Christ, sans regarder tout ce qui se passe dans le cœur de l'homme, sans regarder les résultats de ses œuvres et des événements du monde contemporain. Accepte l'homme. En mourant sur la croix, le Christ, l'homme des douleurs, a mené à son achèvement le dessein d'amour du Père et a racheté le monde. Jésus meurt sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous. La croix est, par conséquent, le signe le plus grand et le plus éloquent de son amour miséricordieux, l'unique signe de salut pour chaque génération et pour l'humanité entière. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans ton dernier souffle, as confié avec amour à la miséricorde du Père les hommes et les femmes de tous les temps, avec leurs faiblesses et leurs péchés, remplis-nous de ton esprit d'amour, nous-mêmes et les générations futures, pour que notre indifférence ne rende pas vain en nous les fruits de ta mort. À toi, Jésus crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles. Abba.
Passion, Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix. Sainte Marie, Mère à la piété profonde, avec toi nous accueillons le Christ et nous l'invoquons. Kyrie eleison. On a remis entre les mains de la Mère le corps sans vie de son Fils. Jésus est de nouveau tout entier dans ses bras, comme il l'a été dans les tables de Bethléem, durant la fuite en Égypte, à Nazareth. Les évangiles ne disent pas ce qu'elle a éprouvé en cet instant. C'est comme si les évangélistes, par ce silence, voulaient respecter sa douleur, ses sentiments et ses souvenirs, ou simplement comme s'ils ne s'estimaient pas capables de les exprimer. C'est seulement par la dévotion séculaire qui a conservé l'image de la Pietà, fixant ainsi dans la mémoire du peuple chrétien l'expression la plus douloureuse de cet ineffable lien d'amour, né dans le cœur de la mère le jour de l'Annonciation. Maintenant, ce lien étroit d'amour doit se transformer en une union qui dépasse les frontières de la vie et de la mort. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. C'est la mère des douleurs qui parle, la servante qui obéit jusqu'au bout, la mère du Rédempteur du monde. À ce mystère est liée la promesse formulée par Siméon au moment de la présentation au temple. Et toi-même, ton cœur sera traversé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Cela aussi s'accomplit. Combien de cœurs humains s'ouvrent-ils devant le cœur de cette mère qui a payé un si grand prix? Et il en sera ainsi tout au long des siècles. Les hommes s'arrêtent au pied de la statue de la Pietà de Michel-Ange, s'agenouillent devant l'image de la bienfaitrice douloureuse dans l'église des Franciscains à Cracovie, devant la mère des sept douleurs, patronne de la Slovaquie. Et ils la vénèrent en de nombreux sanctuaires à travers le monde entier. Ils apprennent ainsi le difficile amour qui ne se dérobe pas devant la souffrance, mais qui s'abandonne avec confiance à la tendresse de Dieu, à qui rien n'est impossible. En remerciant Marie pour sa coopération à l'œuvre de la rédemption, nous ne pouvons manquer de lui demander son aide maternelle pour que, à notre tour, nous puissions suivre le chemin de la croix et obtenir une vie plus féconde par l'offrande de nos souffrances. Salut, Reine, Mère de miséricorde, notre vie et notre espérance, salut. Vers toi nous crions. Tourne vers nous ton regard de miséricorde, et, après cet exil, montre-nous Jésus, ton enfant. Obtiens-nous la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, pour que, comme toi, nous sachions nous aussi persévérer au pied de la croix jusqu'à notre dernier souffle. À ton Fils Jésus, notre Sauveur, avec le Père et avec l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles. Station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. À l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf. C'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Seigneur Jésus, notre espérance, par ton corps crucifié et ressuscité, nouvel arbre de la vie, Kyrie eleison. Depuis le moment où l'homme, à cause du péché, a été écarté de l'arbre de vie, la terre est devenue un cimetière. Autant d'hommes, autant de tombeaux. Parmi toutes les tombes dispersées sur les continents de notre planète, il y en a une dans laquelle le Fils de Dieu, l'homme Jésus-Christ, a vaincu la mort par la mort. L'arbre de la vie, dont l'homme a été éloigné à cause du péché, s'est révélé aux hommes d'une manière nouvelle dans le corps du Christ. Bien que notre planète continue à se peupler de tombes et que s'étende le cimetière dans lequel l'homme issu de la poussière retourne en poussière, tous les hommes qui regardent vers la tombe de Jésus-Christ vivent cependant dans l'espérance de la résurrection. Ce soir où, après la descente de la croix, tu es déposé dans le sépulcre, au pied du calvaire, nous voulons te prier de rester avec nous par ta croix, toi qui, par ta croix, as été séparé de nous. Nous te prions de rester avec l'Église, de rester avec l'humanité, de ne pas t'offusquer si beaucoup, peut-être, passent indifférents à côté de ta croix, si certains s'en éloignent et si d'autres ne vont pas jusqu'à elle. Alors, reste avec nous dans ce pénétrant mystère de ta mort, par lequel tu as révélé combien Dieu a aimé le monde. Reste avec nous. Le corps sans vie du Christ a été déposé dans le tombeau. Pourtant, la pierre du tombeau n'est pas le sceau définitif de son œuvre. Le dernier mot n'appartient pas au mensonge, à la haine, à l'abus de pouvoir. Le dernier mot sera prononcé par l'amour, qui est plus fort que la mort. Désormais, ce tombeau deviendra la première annonce de louange et d'exaltation du Fils de Dieu dans la gloire du Père. Le tombeau, témoin muet de la résurrection, parlera. La pierre roulée, l'intérieur vide, les bandelettes à terre, voilà ce que verra Jean arrivé au tombeau avec Pierre. Il vit et il crut. Et avec lui l'Église crut, elle qui, depuis ce moment-là, ne se lasse pas de transmettre au monde cette vérité fondamentale de sa foi. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau vide est le signe de la victoire définitive de la vérité sur le mensonge, du bien sur le mal, de la miséricorde sur le péché, de la vie sur la mort. Le tombeau vide est le signe de l'espérance qui ne trompe pas. Par notre espérance, nous avons déjà l'immortalité. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit-Saint, as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide nous parle, à nous et aux générations futures, qu'il devienne source de foi vive, de charité généreuse et de ferme espérance. À toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire du monde, honneur et gloire pour les siècles. Abba. Oh.